Je suis dans les coulisses du concert de La Fouine et je rencontre par hasard 3010. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu voir le concert. Alors, tu as trouvé comment? Bah c'était cool, ça fait plaisir de voir Foin en 3013, j'allais dire, tu sais, parce que tu viens de dire mon blaze. En 2013, étant donné que je l'avais vu 2 ans avant pour son premier Zénith, donc c'est bien, Belle Evolution, ça, ses singles, tout, vraiment son public il cesse d'accroître et tout, donc c'est cool. Et qu'est-ce qui représente pour toi La Fouine? Bah de base, moi je viens de Trap, donc tu sais, c'est un grand de chez moi, de base c'est un grand de la thèse comme on l'appelle. Et on l'a vu vraiment monter, moi pour ma part en tout cas, de Max 209 jusqu'à maintenant, tu vois, on a vu toute son évolution et tout, même avant. Et voilà quoi, ça fait plaisir justement de le voir gravir les échelons, parce que ça me donne de l'espoir, parce que je suis dans la même démarche. Et c'était quoi le moment, peut-être un peu le point culminant du show pour toi? Y a un moment préféré peut-être? J'ai bien aimé... En fait j'aime bien les moments de mise en scène, genre comment ils jouent avec le public et tout, quand le public s'attend pas à ce qui arrive. C'est ça moi qui m'impressionne et tout, je me dis ah ouais bien, parce que moi aussi je m'y attends pas, donc du coup, tu sais, la petite interlude avec Battle, genre ouais comment ça et tout, mes musiciens ils peuvent pas jouer, moi Alhamdoulilah ça va. Donc du coup ouais, il l'a bien fait derrière et tout, c'est mortel. Ah, merci beaucoup 3010. Merci à toi. À la prochaine.